Alors, merci à tous du coup de votre présence. Donc, je suis Sandrine, comme vous l'aviez compris. Donc, je suis basée à Toulouse, donc France métropolitaine, donc bureau d'études Cosinut, qui a plusieurs facettes, donc thermique, fluide, environnement, matériaux, donc y compris donc biosourcés, géosourcés, donc en recherche et développement, et aussi du coup dans la qualité environnementale, l'aspect gestion des ressources et réemploi, puisqu'on cherche à avoir des bâtiments sobres en énergie et en ressources. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vais aborder donc aujourd'hui plutôt tout ce qui est réglementaire, les enjeux, et ensuite du coup on pourra échanger ensemble plus largement dans une troisième partie. Donc c'est vrai que les deux premières parties vont pas être très 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 longues. Ça laissera quand même un certain temps pour l'échange si vous le souhaitez. Mais c'est l'idée de faire un résumé parce qu'effectivement sinon il y a beaucoup beaucoup de ramifications. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations à la fin. Donc on reprendra les questions. Donc parmi les avancées réglementaires, je me suis concentrée donc sur les deux points principaux, on va dire, de la loi. Donc, ce que vous voyez, le petit logo tout coloré, donc la loi anti-gaspillage économie circulaire, donc loi AGEC. Je n'ai pas évoqué spécialement la RE2020 parce qu'en fait, c'est son champ d'application qui continue progressivement de s'étendre. Donc, si vous revoulez un petit point sur l'influence de la RE2020 et le réemploi, on pourra voir ça à la fin. Donc pour le premier point donc de la loi AGEC qui était intéressant par rapport au réemploi, donc c'est l'évolution du diagnostic déchets en diagnostic PEMD. Donc sur les slides vous verrez surtout de l'information réglementaire et pour avoir les références et plus d'explications ensuite à l'oral. Donc le diagnostic PEMD donc entre finalement officiellement en vigueur depuis donc enfin il va rentrer cette semaine finalement donc samedi officiellement donc on va dire lundi pour les intéressés donc le 1er juillet 2023 puisqu'en fait il manquait un certain nombre d'éléments pour qu'il devienne vraiment obligatoire même si on commençait déjà à le faire pour les maîtres d'ouvrage. Donc je vais vous expliquer en rappel donc en quoi il consiste et ensuite l'articulation qu'il aura avec une plateforme mise en place par le CSTB. Donc tout d'abord donc retenir donc qu'est-ce que c'est le diagnostic PEMD donc qu'est-ce que ça veut dire déjà PEMD? C'est bien les produits, équipements, matériaux et déchets. Donc on ne fait pas que des déchets dans le sens où aujourd'hui le diagnostiqueur va avoir un rôle d'inventaire qui va être plus exhaustif que ce qu'il était avant. Et donc, dans ces différentes typologies finalement de ressources qui vont être inventoriées, on a certaines dont on va pouvoir dire en fait dans notre analyse si elles ont un potentiel de réemploi ou pas, ou si elles sont un potentiel de réutilisation. Et donc c'est là où c'est plutôt positif finalement pour le réemploi, puisqu'en fait on démarre une réflexion dès le départ en faisant ce diagnostic, de se dire est-ce qu'il y a des choses qu'on peut récupérer dans ce projet qui pourront servir ailleurs? Alors, donc c'est quand? C'est pour ça que je dis dès le départ, puisqu'en fait ça intervient juste après, en toute logique, les diagnostics amiante et plomb, histoire qu'on n'aille pas faire des sondages dans des endroits où il ne faudrait pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, ça constitue donc une base de données, mais pour des opérations de déconstruction ou rénovation significative. Donc là, je vous renvoie en fait aux conditions d'application. Donc, c'est les décrets que je vous ai mis juste au-dessus. Parce qu'en fait, c'est intéressant pour les opérations de plus de 1000 m² ou qui ont eu une activité agricole ou avec des substances dangereuses. Donc, ça, c'est les conditions d'application. Et dans la rénovation significative, il y a beaucoup de conditions. Mais en fait, c'est à chaque fois deux conditions cumulatives. Donc, par exemple, une rénovation significative, ça peut être on change les menuiseries extérieures, on change le système de chauffage, on est dans une rénovation significative. On va changer des cloisons et on va changer ouais, toujours pareil, les fenêtres par exemple, c'est aussi une rénovation significative. Donc c'est très
très large finalement le potentiel de rénovation significative qui est décrit dans ces décrets. Et par contre, c'est vrai que la taille de 1000 mètres carrés, c'est vite atteint, mais du coup, ça élimine quand même un certain nombre de projets pour lesquels on n'a toujours pas ce diagnostic obligatoire, mais pour lesquels il reste la possibilité de faire déjà un diagnostic ressources tout court, déjà, qui est intéressant, puisque on va pas du coup décrire l'ensemble des déchets qui vont être produits, par exemple, par un voile de béton armé, mais on va répertorier toutes les autres ressources comme des radiateurs, une cloison modulaire de bureau, etc., qui pourront, elles, être réemployées. Et donc là aussi, donc on a le décret d'application qui vient définir les personnes habilitées à faire ce diagnostic. Soit ce sont donc des diagnostiqueurs qui avant faisaient des déchets qui sont montés en compétences, soit ce sont des ingénieurs, soit ce sont, c'est possible aussi hein, que ce soit des architectes, mais en tout cas il y a tout un panel voilà, de profils qui est décrit, et il faut avoir une certaine assurance à cause des franchises. Donc ça aussi c'est pareil, c'est dans le décret. Donc l'intérêt, donc ce qu'on a dit, c'était qu'il donne des indications de potentiel de réemploi. Par contre, est-ce qu'il est suffisant vraiment dans tous les cas? Pas forcément, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont décrites mais dans les textes législatifs. Mais ensuite, au niveau de la prescription, c'est vrai que ça laisse beaucoup de, on va dire, de flou. C'est-à-dire qu'on va décrire les grandes lignes, mais un maître d'ouvrage peut décrire plus, en fait, plus cadré, en fait, ce qu'il demande, comme ce qu'on essaye de faire actuellement avec Toulouse Métropole et le projet Life is to Build, c'est-à-dire d'avoir une demande unifiée pour que tous les diagnostiqueurs ensuite fournissent le même niveau d'information et que ce niveau d'information puisse être suffisant pour envisager vraiment une stratégie de réemploi à la suite. Par exemple, avoir une vraie localisation, un reportage photo, des ressources, enfin ce genre d'indication qui jusque-là n'est pas forcément demandé dans un diagnostic réglementaire. Donc voilà. Donc c'est très bien, mais pas forcément suffisant selon comment on a prescrit et selon le diagnostiqueur qui va nous rendre son offre. Donc il y a aujourd'hui, pour demain, quoi, juillet, il y aura donc des modalités de contrôle qui seront appliquées sans forcément avoir de sanctions. Mais le contrôle est intéressant pour avoir en fait un maximum de données qui vont remonter au CSTB à travers leur plateforme, qu'on va voir juste après. Et donc cette plateforme va permettre finalement, avec toutes les données récoltées, de pouvoir in fine massifier en fait le réemploi. Donc pour l'instant en fait la plateforme, elle était donc un peu coincée justement parce que les décrets ne sortaient pas. Donc là, comme tout est sorti, ils ont eu un peu de temps. Donc normalement d'ici la semaine prochaine, donc je vais mettre les coordonnées tout à l'heure, elle devrait être fonctionnelle. Donc comment on donne les données donc au CSTB? D'abord, à la fin, une fois qu'on a fait donc notre diagnostic en tant que diagnostiqueur, on a fait une synthèse qui va rentrer donc dans un CERFA. Donc qui est en lien hypertexte sur la slide et qui va être transmise donc à la plateforme du CSTB. Ensuite, donc ça doit se faire avant la passation des marchés de travaux de déconstruction ou l'acceptation des devis de déconstruction. Donc c'est avant les travaux. Ensuite, une fois que la dépose sélective, donc la récupération des ressources déposées de manière soignée, a été effectué par l'entreprise de déconstruction ou par une entreprise d'insertion venue faire la déconstruction, ça dépend du cas. On attend donc 90 jours après l'achèvement de ces travaux. On produit un formulaire de récollement, donc encore une fois, donc là ça permet de dire finalement qu'est-ce qu'on avait au départ identifié comme potentiel de réemploi et qu'est-ce qu'on a finalement réussi à valoriser à la fin. Donc, ce récollement, lui aussi, donc, est à transmettre à la plateforme du CSTB. Et donc, cette plateforme, donc, vous voyez l'accès, normalement, c'est plateformepemd.developpementdurable.gouv.fr. Si vous n'arrivez pas à mettre votre synthèse ou s'il y a des dysfonctionnements sur la plateforme, ou, etc., donc, il y avait quand même en fait, une adresse jusque-là avec laquelle on pouvait communiquer
même si la plateforme n'était pas encore opérationnelle. Donc, il y a plateforme.pmdr.cstv.fr. Et donc, le but aussi de cette plateforme, pour l'instant, on va voir finalement les fonctionnalités qui vont être retenues. Mais en tout cas, il y en a une qui est forcément retenue, puisque c'était un peu le but aussi, c'est d'avoir une mise en visibilité des gisements. Donc, c'est-à-dire que vu qu'on a mis chacun d'entre nous en tant que diagnostiqueur les résultats de ces PEMD, on va pouvoir identifier sur chaque chantier qu'est-ce qui est réemployable autour de soi. C'est-à-dire qu'en tant que maître d'ouvrage, on peut aller sur la plateforme du CSTB et avoir une idée, tel chantier va être démoli dans 6 mois, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme potentiel de réemploi. Et donc, à partir de là, pouvoir contacter donc, le maître d'ouvrage qui a mis en ligne ce diagnostic PEMD. Donc voilà, donc il y a aussi cet intérêt-là de mettre en visibilité tout un tas de gisements qui, ce n'est pas une information qui est facile à avoir forcément sur tous les territoires. Donc là, ça permettrait d'avoir un peu une harmonisation de la mise à disposition de l'information. Voilà, donc ça, c'était pour le point diagnostic PEMD. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Donc si vous avez des questions, ce sera à la fin. merci. Donc là, je vais passer à un deuxième point de la loi AGEC, qui est la REP PMCB. Donc là, j'ai vu qu'on avait Valdelia. Donc, de toute façon, je vais parler des éco-organismes. Donc si jamais il y a des compléments d'informations à donner, c'est parfait. Ce sera parfait pour la fin. Donc, en fait, la responsabilité élargie du producteur, donc appliquée aux produits et matériaux de construction du bâtiment, c'est en fait l'extension du principe de REP qu'on peut avoir dans d'autres filières et qui aujourd'hui donc, va s'appliquer au bâtiment. Donc là aussi, il y a eu quelques délais. Donc, depuis le 1er janvier, en fait, donc elle est entrée en vigueur, cette REP. Et ensuite, il y a eu encore un petit délai pour avoir donc, une première cartographie donc, des points de maillage et les contributions qui soient applicables. Donc, si je reviens donc, au principe effectivement de la REP, c'est, donc, ça permet de financer plusieurs actions d'éco-organismes donc, qui ont été désignés pour agir en faveur du recyclage et du réemploi des produits matériaux de construction. Et comment c'est financé? C'est financé grâce à un système d'éco-contribution qui, lui, est payé par le consommateur final du produit ou du matériau. Donc, on va en magasin, on paye l'éco-contribution et l'éco-contribution est reversée donc, au fabricant qui lui-même le reverse à l'éco-organisme. Je n'ai pas mis le schéma parce qu'il est très, très dense et voilà, il y a des flèches un peu partout. Mais voilà, donc c'est le principe général. Et les objectifs, évidemment, de cette REP. Donc là aussi, il y a du positif et du négatif. Donc le positif, évidemment, c'est prévenir les déchets en encourageant donc, le réemploi, pousser le tri à la source et donc augmenter le recyclage. Donc ça, c'est sur les chantiers. On a donc les entreprises de travaux qui ont une obligation aujourd'hui d'avoir un tri 7 flux et non pas 5 flux comme avant. Donc on a les fractions minérales en plus, par exemple, et ça permet donc d'avoir une meilleure traçabilité in fine. Donc c'est le petit à côté, donc améliorer la traçabilité, réduire les dépôts sauvages, sachant que le fait d'avoir un tri à la source, c'est une mise en place progressive. Donc, au bout d'un moment, en fait, les entreprises, in fine, elles auront une reprise gratuite de leurs déchets. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, si elles trient bien à la source. Et ensuite, donc, réduire les dépôts sauvages, c'est parce que les éco-organismes, dans leur mission, ils ont effectivement finalement le financement pour aller nettoyer les décharges sauvages qu'on pourrait trouver sur leur territoire. Et inciter à l'éco-conception, c'est parce que du coup, l'éco-contribution, elle permet de prendre en charge la fin de vie du matériau. Donc, c'est aussi donc, une partie des objectifs de cette REP. Et là où c'est intéressant, donc, c'est que les éco-organismes, ils ont des objectifs. Donc là, je vous ai remis donc, les arrêtés. Après, je vais vous parler donc, de ce schéma.
Et donc, parmi donc, les objectifs et les obligations des éco-organismes, donc, ils doivent présenter un plan d'action en faveur du réemploi. Ils ont des objectifs de pourcentage de réemploi donc, sur la masse de déchets produits chaque année. Donc, aujourd'hui, enfin, on va dire en 2024, on sera à 2% de la masse annuelle de déchets. Et ensuite, en 2028, on pourra monter donc, jusqu'à 5% selon les objectifs de la REP. Et il y a aussi une obligation de soutien à la filière et le développement donc, de zones de réemploi. Alors, le soutien à la filière, donc, c'est une partie qui n'est pas encore forcément mise en place. Et les zones de réemploi, donc, ça concerne ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, dans les points de maillage, en fait, il y a des points de reprise et des points de maillage. Et donc, dans les points de maillage, il y aura forcément la zone de réemploi qui est mise en place. Dans les points de reprise, pas forcément, ça dépendra de la situation. En fait, l'idée, c'est que normalement, donc, on va dire dans un monde parfait, donc on n'y est pas encore, mais on va y arriver, avoir tous les 10 à 20 km sur le territoire des points où les personnes et les entreprises pourront déposer du coup, des éléments qui seront réemployables par la suite. Et donc, ces éléments seront collectés potentiellement par des entreprises de l'ESS pour du coup les réparer ou les remettre au marché selon en fait l'état de ces éléments. Donc en fait ça permet de mettre plus de composants sur le marché qui aujourd'hui partiraient ben, simplement en déchetterie pour du réemploi. Et donc, si je reviens donc sur ce schéma de bâtiment, donc en fait, on a deux catégories. Donc, on a les inertes, donc c'est la catégorie 1, et les non inertes, c'est la catégorie 2. Et donc, chaque éco-organisme est plus ou moins agréé selon les catégories. Donc, par exemple, éco-maison, pardon. Donc lui, il est catégorie 2, donc PMCB non inerte pour tout ce qui est PMCB. Et ensuite, il a aussi mobilier bricolage à nos jouets. Ensuite, on a éco-minéraux, donc qui est sur la catégorie 1, donc PMCB inerte. Ensuite, on a Valdelia qui était donc catégorie 2, plus son activité historique de mobilier professionnel. Et Valdelia, donc qui fait, va, pardon, Valobat, qui fait donc catégorie 1 et 2. Et ces quatre éco-organismes sont depuis donc très peu de temps, en fait, comment dire, régis par, enfin leurs activités du moins vont être contrôlées par l'OCAB, donc qui est l'organisme coordinateur agréé. Et il faut savoir aussi que l'ADEME développe aussi un observatoire du réemploi et de la réutilisation, que ce sera aussi un moyen de voir les progrès qui sont faits, donc. En termes de valorisation des ressources du bâtiment. Et voilà, donc ça, c'est la REP qui, donc, en fait, permet effectivement d'augmenter le taux de réemploi et le taux de recyclage. Après, pour nous, pourquoi je dis que c'est un peu négatif, c'est-à-dire que pour nous, en tant que concepteurs, on ne va pas forcément pouvoir aller chercher directement. Des objets qui ont été déposés dans les zones de réemploi ou des matériaux qui ont été déposés dans les zones de réemploi, puisqu'on n'aura pas les garanties assurantielles nécessaires ou forcément en fait, la traçabilité de qui l'a emmené sur cette zone de réemploi pour pouvoir ensuite nous en servir directement finalement dans notre projet ou dans notre chantier. Par contre, globalement, ça va aider à démocratiser le réemploi. Après, là où c'est aussi donc, à double tranchant, c'était donc l'histoire que je vous disais tout à l'heure sur les 7 flux. Parce que finalement, si on trie très bien tous les éléments bois et toutes les fractions minérales, toutes nos voûtelles de faux plafonds, etc., qu'on les trie très bien, elles seront reprises sans frais. Donc finalement, elles ne viendront pas enrichir le marché du réemploi. Pour les concepteurs qui cherchent en fait finalement des ressources, sauf si on arrive évidemment tous ensemble à augmenter les occurrences en fait de demandes de réemploi donc dans les marchés de la part des maîtres d'ouvrage et que finalement ce sont des pratiques qui vont se fondre au fur et à mesure et à ce moment-là ben, on aura forcément plus de latitude
pour aller chercher ce genre de composants et on ne sera plus forcément dans la même difficulté qu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les avancées réglementaires, les deux points principaux. Là, je vais passer donc aux enjeux en cours et à ce qui n'est pas encore vraiment défini en termes réglementaires. Donc c'est pour ça que ça passe dans enjeux en cours et perspectives. Donc dans cette partie, on a donc le niveau européen avec la réglementation des produits de construction. Donc c'est des discussions qui sont en cours. Alors, on ne sait pas si on va avoir quelque chose qui va sortir en 2023 ou en 2024. Voilà, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est en cours. Donc, en fait, le principe à la base, comme on le connaît tous, donc c'est un produit neuf ou un nouveau produit, quand il veut être mis en marché donc, par un fabricant, forcément, il y a une déclaration de conformité à faire, une déclaration de performance et le fameux marquage CE. En fait, la Commission européenne voudrait donc étendre cette réglementation à des produits qui sont dits usagés, donc avec modification de l'usage initial. Donc, ça ne concerne pas les produits déclassés. Par exemple, une porte coupe-feu en porte, c'est un produit déclassé. Donc, ça garde le même usage. Donc, là, on n'est pas dedans. Donc, heureusement, ça ne s'applique pas à tous les produits usagés. Et aux produits donc remanufacturés, donc c'est-à-dire qui ont été remis en état, donc reconditionnés. Alors ça, c'est pour l'application, on va dire, globale. Et ensuite, il y a d'autres exigences qui pourront être mises en place sur un mode allégé. Pour des produits usagés qui auront été requalifiés par un opérateur économique, et donc là aussi, donc, dans l'action de l'opérateur économique, il y a encore des doutes sur lui-même, donc ces services qui pourront potentiellement. C'est comme une espèce de grande araignée. Donc, à l'intérieur, voilà, de ces contraintes, il y a. Là, je ne l'ai plus en tête, mais l'opérateur économique pour la mise en place de ces services aura d'autres exigences qui pourront lui être associées. Donc, c'est pour ça que c'est un potentiel frein aussi bah, pour les matériothèques, par exemple. Et donc les nouvelles exigences allégées, ça pourra aussi concerner donc les produits dits excédentaires, donc par exemple les surplus de chantier, les invendus. Donc même si en fait le produit est neuf et qu'il a toujours bah, sa fiche technique, voilà, il faudra quand même demander l'autorisation au fabricant d'origine pour savoir si il confirme donc que l'aptitude à l'usage est toujours bonne. En fait, s'il n'y a pas de confirmation de la part du fabricant, il faudra refaire donc cette espèce de demande allégée pour pouvoir valider la fiche technique qu'on a déjà sur soi. Donc c'est là où cette RPC pose un peu des questions, voilà, à toute la filière réemploi en général. Et ensuite, on a aussi une exigence allégée pour les produits qui auront été fabriqués sur place. Donc, par exemple, si on fabrique un banc en béton préfabriqué mais forain, eh bien, lui aussi, donc, il devra avoir une exigence de conformité, en tout cas, qui sera demandée donc, par cette réglementation RPC. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas beaucoup plus les contours de celle-ci, mais en tout cas, il y a, on va dire, un point d'alerte sur le fait que les produits usagés et remanufacturés pourront donc être concernés aussi par des exigences précises. Après, l'intérêt, c'est que finalement, si un produit usagé requalifié a effectivement un certificat de conformité, etc., il y aura moins de questions à se poser pour les concepteurs ou les maîtres d'ouvrage qui souhaiteront mettre ces produits finalement dans leur chantier. C'est juste que sur le moment, pour toute la chaîne finalement de requalification, ça complique énormément les choses, alors qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à avoir des modèles qui soient pérennes. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Donc ça, c'était au niveau européen. Donc c'est la seule que je sortirai au niveau européen. Ensuite, donc au niveau national, là, on a quand même des avancées qui sont très positives, donc notamment donc, de cette première slide grâce au CSTB.
Donc là, j'ai mes deux projets, donc le projet de recherche Spirou et ensuite donc, le développement de l'outil EcoScan. Donc le projet de recherche Spirou qui va durer donc jusqu'à la fin 2024. Spirou, ça veut dire sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifiée. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va avoir 10 guides, donc pour 10 familles qui auront été reconnues comme les plus intéressantes. Donc dans ces familles, là je pourrais les reprendre après, mais on a donc les radiateurs, les luminaires, on a les conduites de canalisation, on a tout un tas de choses comme ça. Si je les reprends. Je ne sais pas si je les ai. Mais en tout cas, voilà. Il y a plusieurs familles, en tout cas, qui ont été reconnues comme propices. Et oui, dedans, il y a le faux plancher, parce qu'il y a Mobius aussi, donc, qui est dans cette, qui est aussi en coordination donc, sur ce sujet. Et donc, parmi donc, ces 10 guides, le but, c'est d'avoir donc, des 10 guides plus une synthèse. En fait, pour les personnes qui étaient déjà formées un peu au réemploi, je pense que vous connaissez déjà. Par exemple, ce qui a été fait par le FCRBE, donc au niveau européen, donc le projet Interreg FCRBE, et aussi peut-être ce qui avait été sorti par la FBE et le CSTB, donc un peu plus en avant. Et en fait, on avait donc soit des guides très complets mais complexes. Donc là, il y en avait 8 à l'époque, et le FCRBE qui avait lancé donc des choses plus courtes, mais quand même donc du coup au niveau européen. Donc c'est pas forcément hyper appliqué des fois au cas français. Donc là, le but, c'est d'avoir une synthèse un peu entre les deux niveaux d'exigence en fait de ces documents et finalement d'avoir des protocoles qui soient reconnus par tous, donc y compris en fait par les assureurs. Donc c'est là que ça va être très intéressant. C'est-à-dire que pour commencer, parce qu'en vrai, le CSTB, ils avaient identifié 29 familles. Mais pour commencer, en tout cas, les 10 premières familles, ce serait déjà super d'avoir ces guides, puisqu'en fait, c'est un peu un prémisse finalement à de futures règles professionnelles, etc. Et donc, le but, voilà, c'est que ce soit partagé par tous, donc les bureaux de contrôle y compris. Donc, ça facilitera quand même ben, sur 10 familles le réemploi. Et ensuite, donc, on aura un deuxième volet, enfin, on a un deuxième volet, qui est effectivement le soutien à la filière pour développer donc des plateformes de reconditionnement et aussi pérenniser les modèles économiques justement de tout ce qui est matériaux tech, ce genre en fait de structures ou ressourceries qui ont plus de mal finalement à se développer ou grandir. Et donc ce sont vraiment les deux axes pour massifier le réemploi privilégié donc par le CSTB. Et ensuite on a en fait d'autres axes évidemment de recherche sur l'économie circulaire et sur les ACV notamment, donc les analyses de cycle de vie. Et donc là, si on fait ce lien, c'est avec l'outil EcoScale. Donc en fait, le CSTB a développé 4 indicateurs. Donc on a matière, le pourcentage en fait de matière recyclée et renouvelable dans le produit, la démontabilité du produit, la réemployabilité du produit et sa recyclabilité. Donc le but, c'est que on ait ces critères de circularité. Et en fait, là, pour l'instant, il y a à peu près 300 produits qui sont répertoriés en fait sur leur site. Alors, ça peut être du revêtement de sol, ça peut être une toiture, ça peut être voilà, un complexe de toiture. Enfin, voilà, ça varie. En tout cas, le but, c'est qu'il y en ait le plus possible, qu'il y ait donc ces indicateurs qui soient fiables. Et in fine, en fait, on peut faire un fort parallèle avec les FDES. On peut se dire que peut-être que les FDES prendront en compte potentiellement, alors ça, dans des années en tout cas, hein, mais avoir en fait d'autres critères encore qui soient intégrés en fait ben, à la conception et donc potentiellement aux fiches d'ACV, puisque c'est le même c'est la même logique finalement, c'est d'essayer de chercher des produits qui soient le meilleur possible au niveau environnemental, donc pourquoi pas aussi directement donc au niveau circulaire intégré donc à ces fiches. Et ensuite
Donc, on a d'autres, évidemment, acteurs autres que le CSTB, qui sont souvent d'ailleurs partenaires hein, du CSTB. Donc, on a les actions du booster du réemploi qui, elles aussi, donc, participent à. Si vous allez sur un site internet et que vous allez dans l'onglet ressources, vous pourrez voir du coup tout un tas soit de webinaires, soit de fiches techniques aussi. Donc, ils ont fait aussi 10 synthèses techniques avec des closiers pour pouvoir. Prescrire en fait des familles, donc là ils en ont 10 aussi, c'est pas forcément les mêmes que pour Spirou, mais en tout cas c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils ont sur leur site. Donc le syndicat professionnel, le SPREC, qui lance donc la semaine prochaine, on va dire, son grand rassemblement des adhérents, parce que jusque-là en fait c'était. Enfin, le conseil d'administration, etc. Donc tout ça, c'était une élection qui avait été faite l'année dernière. Et là, le but, c'est d'être plus proche en fait du territoire et de définir une feuille de route ensemble pour ben, continuer les actions ou développer d'autres actions du SPREC qui jusque-là, par exemple, pour la RPC qu'on a vu tout à l'heure au niveau européen, ben, essaye de porter la voix du réemploi. Voilà, donc il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être engagées par le SPREC. Et ensuite, donc les fédérations, les syndicats, donc eux aussi, donc ils font le travail soit de sensibilisation auprès des entreprises, soit un travail de fond avec les assurances. Enfin, voilà. Il y a plusieurs acteurs qui sont sur le terrain, en tout cas en France, qui sont en train de se bouger en faveur du réemploi. On a aussi de l'investissement de la part de pouvoirs publics. Alors, par exemple, là, j'ai mis dans des plateformes numériques parce que c'est un peu comme le même principe, on va dire, que celle du CSTV, mais c'est-à-dire que on a donc refaire, donc si je déjà je l'ai dit comme ça, donc refaire, c'est la métropole de Bordeaux avec l'aménageur La Fab. La plateforme La Fouisse to Build, donc c'est la plateforme de Toulouse Métropole. Et réemployer.fr, donc ça va être une plateforme plutôt dans le Grand Est, notamment donc, autour de Nancy. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les chantiers autour de nous. Enfin, réemployer.fr, je dis on va parce qu'ils sont en version bêta, qu'ils ont lancé à peine la semaine dernière. Plateforme La Fouisse to Build, c'est la version, elle a été ouverte en début avril, je pense. Elle a été ouverte en tout cas très récemment et on va dire qu'il y a une nouvelle version qui sera affinée fin 2023 et refaire qu'elle est opérationnelle dans sa version actuelle, enfin, on va dire définitive au niveau de la plateforme numérique parce qu'après à chaque fois il y a d'autres actions qui sont autour de celle-ci, mais c'est intéressant de voir voilà, qu'il y a un intérêt du coup, bah, de la part d'autorités publiques pour développer ces plateformes qui ont pour but de montrer finalement les chantiers qui vont être démolis, les chantiers qui ont besoin de ressources et d'essayer de mettre en cohérence et du coup l'offre et la demande finalement donc sur ces plateformes. Donc c'est toujours plus intéressant pour un concepteur que d'aller appeler bah, tous les maîtres d'ouvrage qu'il connaît pour savoir si un tel ne va pas déconstruire tel chantier quand, etc. Donc là au moins c'est un outil qui facilite grandement ben, la massification potentiellement ben, du réemploi. Et ensuite, évidemment, il y a la multiplication des formations à destination de différents publics. Donc, quand je dis formation, c'est sur plusieurs jours, hein, ou voire plusieurs mois pour les valoristes. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a un vrai engouement donc, pour ce sujet dans le bâtiment et que ça va finir par devenir vraiment mainstream, quoi. On aura vraiment. Dans quelques années, des process qui sont fluides et des modèles économiques pérennes, on l'espère. Voilà, donc c'est pour ça, là, on arrive à 1 heure de temps. Donc là, c'était juste un petit clin d'œil. Donc pour la Suisse, bon, évidemment, ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes au niveau des bureaux de contrôle, mais c'est juste pour montrer, voilà, c'était la semaine dernière, c'était une dalle qui a été sciée en béton armé et qui va être. Remise en place, enfin qui est en train d'être mise en place, mais en mur porteur. Voilà. Donc il y a des expérimentations dans d'autres pays, évidemment. Voilà. Donc je vais remettre la diapo 1 et puis je vais répondre à vos questions.
Merci à vous. Gaëlle, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant. Absolument pas, Sandrine. Ok, alors. Parce que là, je ne vois que les dernières questions. Donc, en fait, je n'arrive pas à remonter, si tu veux, le fil. Alors, attends, Sandrine, je suis là. Ouais. Tu as trois Alors. questions. Oui, alors là, je vois celle de Roger Fernandez. Donc, je vais y aller par la dernière. Est-ce qu'il y a un risque de contentieux judiciaire d'utiliser des matériaux issus du réemploi? Pour l'instant, oui. Si on ne borde pas les choses, effectivement, en fait, il y a toute une question de responsabilité juridique et de multiplication, effectivement, des acteurs. Effectivement, donc, si aujourd'hui on achète un matériau, on le prend d'un fabricant, on le pose. Là, il y a beaucoup plus d'acteurs au milieu, donc forcément, ça fait plus de problèmes et au niveau de la traçabilité aussi. Donc, il faut arriver à se mettre d'accord tous ensemble. Et pour l'instant, c'est chantier par chantier, avec donc la maîtrise d'ouvrage, les assurances, le bureau de contrôle, de savoir quelle va être la stratégie qu'on va mettre en place sur ce chantier. Voilà. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Ensuite, la deuxième question, je reste sur le même auteur. Dans le cas où il reste des matériaux neufs à l'issue d'un chantier et par transposition, est-ce que cela peut rentrer dans le cadre du réemploi? Par exemple, il resterait deux palettes de briques neuves. Alors, oui. Alors, pour les puristes, non. Mais pour d'autres, oui. Mais on va dire que globalement, pour les maîtres d'ouvrage, c'est oui, puisqu'en fait, ça revient à ce qu'on appelle un réemploi de première vie. C'est effectivement comme un déstockage, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la RPC. Donc, ce sont des produits qui sont donc neufs, qui ont toujours en fait leur fiche technique et parfois leur PV, enfin, selon ce qu'on a besoin. Et donc, c'est intéressant de pouvoir les réutiliser, puisqu'au final, on a déjà donc, pratiquement finalement convaincu, on va dire, le bureau de contrôle, puisqu'on a les éléments pour prouver la conformité. Donc, effectivement, ça peut être considéré comme du réemploi. Et ensuite, s'il n'y a pas de sanction, y a-t-il un retentissement incitatif de type financier pour favoriser l'économie du projet? Alors, à l'époque, il y en avait un qui était clair, puisque la mise en décharge est, enfin, c'est toujours un peu le cas, c'est-à-dire que la mise en décharge, bien sûr, est, on va dire, payante, mais in fine, ce sera plus payant. Donc, c'est là où finalement il y aura moins d'incitation qu'avant, donc, ou du moins qu'aujourd'hui. Donc c'est là où effectivement il y avait. C'est pour ça que je disais que c'était un peu positif et négatif. Ensuite, c'est toujours pour l'instant au cas par cas, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets de réemploi où finalement on fait du réemploi in situ, donc on utilise l'existant et on va avoir une plus-value financière, et d'autres fois, ça ne va pas être le cas. Donc là encore, on a du mal à avoir des retours d'expérience qui soient vraiment unifiés pour dire si vraiment il y a, on va dire, un bénéfice financier dans tous les cas. Mais bien sûr que dans beaucoup de cas, en tout cas, ça peut être intéressant, évidemment. Donc ça, j'ai fait les trois questions. Après, j'ai vu des questions qui sont apparues en dessous. Alors concrètement, en tant que concepteur, comment intégrer le réemploi sur des petits projets? Archi, responsabilité, assurance. J'ai envie de dire que si ce sont des petits projets, alors je ne sais pas ce qu'on entend par petit, mais du moment en tout cas qu'il n'y a pas forcément, on va dire, toute la rigidité des contrôles qu'on peut avoir, ou si on a un particulier qui, lui, est maître d'ouvrage, qui n'est pas maître d'ouvrage public, c'est sûr que ce sera plus simple de mettre en place du réemploi. Après, selon où on est, des ressourceries ou des plateformes justement qui peuvent quand même nous dire, là j'en ai mis trois, mais après il y a des plateformes aussi, des marketplaces qui elles du coup ben, ont un but lucratif, mais en tout cas il en existe aussi en France plusieurs, donc on peut aussi déjà commencer par regarder voilà, ces plateformes-là et voilà, normalement un petit projet. C'est quand même plus simple globalement qu'un projet où on va avoir un ERP, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, oui, bien sûr, dans tous les cas, il faut avertir les assurances en amont, ça c'est sûr, puisque les assurances, c'est quand même nos meilleurs alliés finalement. Donc,
Il faut le plus tôt possible pouvoir vérifier que tout le monde soit assuré qu'on ait une, et qu'il soit OK avec le fait de réemployer. Et c'est là où c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que pour des petits projets, parfois c'est plus difficile, mais pour des projets où, on va dire, les maîtres d'ouvrage sont de gros maîtres d'ouvrage, par exemple à l'échelle nationale, ils ont des assureurs qui, eux, sont déjà au courant, donc peut-être qu'ils vont plus facilement accepter leur emploi. Donc là, il n'y a pas vraiment de règles. Je ne pourrais pas dire de règles, vraiment. Est-ce que l'entreprise est prête à accepter le réemploi? Les compagnies d'assurance ne risquent-elles pas d'appliquer une grosse majoration de cotisation? Alors là encore, il y a tous les cas, malheureusement. Il y a encore des cas, effectivement, où on peut avoir une assurance qui n'est pas sensibilisée et une entreprise qui pense pouvoir le faire, et puis on lui demande de vérifier, et au final, soit il y a une surprime ou des choses comme ça, donc ça passe pas, quoi. En fait, il y a des fois, ça passe. En fait, après, il y a des questions aussi de responsabilité. Et là, en fait, la question n'est pas vraiment tranchée. C'est-à-dire que pendant longtemps, sur le réemploi, on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse chiffrer la pose et la fourniture de façon dissociée pour le réemploi, pour que l'entreprise, en fait, par exemple, lui fournisse le matériau et qu'ensuite elle le pose. Et du coup, elle n'est pas forcément donc, la responsabilité du matériau. En fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que même aujourd'hui, le CSTB me disait que non, il faut quand même faire chiffrer de la fourniture. C'était ce matin. Donc, en fait, là-dessus, je ne saurais pas redire de réponse claire, parce que j'ai l'impression que selon les chantiers, il y a des fois où ça se passe bien et des fois où ça se passe moins bien. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui sont liées, par exemple, à la FFB, etc. Donc, des fédérations qui, elles, les ont sensibilisées et effectivement qui préféraient donc, que toute la validation soit faite en amont et qu'ensuite, une fois que c'est validé par le bureau de contrôle de l'assurance, a priori, il n'y a plus de problème pour qu'elles viennent mettre en œuvre le matériau in fine. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Et bien sûr, cela dépend, oui, c'est tout à fait, Florence, il y a des produits qui ne posent pas forcément de problème de type insanitaire. Ma foi, c'est inerte, c'est de la céramique. Une fois qu'il est nettoyé, a-t-on vraiment besoin de plus d'informations autres que la fiche ressource qui va avec? Mais effectivement, si on veut réemployer une porte-coupe-feu, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué, et ça sur n'importe quel chantier. Et effectivement, donc il y a tous les travaux qui ont été faits en amont, et notamment donc le reuse toolkit du FCRBE qui est très bien, donc les fiches du booster qui sont très bien, et aussi donc les retours d'expérience qui sont faits par y a beaucoup de centres de ressources, il y a de plus en plus de retours d'expérience qui sont communiqués, donc on peut s'appuyer sur ces retours d'expérience pour montrer que voilà, ça s'est fait dans d'autres conditions, ça a marché, donc pourquoi pas essayer nous-mêmes de le faire. Mon opinion, le réemploi égale danger. Alors, la tendance est plutôt nouvelle en France, non, c'est-à-dire qu'on a toujours fait du réemploi, c'est-à-dire que jusque-là, c'était pas forcément officiel, quoi. Enfin, après, c'est pas un danger en soi, le tout, c'est de bien le communiquer, en fait, avec tous les acteurs, comme tout changement, finalement, qui est fait, il faut du temps, il faut plusieurs années pour que ça vienne modifier en fait l'inertie du secteur du bâtiment et des acteurs qui n'ont pas forcément envie de changer leurs habitudes, ce qui se comprend très bien. Du coup, il n'y a pas forcément de danger. En plus, jusqu'ici, en fait, ce qu'on va se risquer entre guillemets à réemployer, ce sont vraiment justement des gisements qui n'ont pas de risque assurantiel, ou sinon, si on veut vraiment réemployer, on va faire un ATEX, etc. Donc, il y a toutes des procédures qui sont mises en place. Et donc, au final, jusque-là, il n'y a pas de sinistre qui a été attribué, en tout cas à notre connaissance, même au niveau des assureurs, eux-mêmes le reconnaissent, il n'y a pas plus de sinistre avec du réemploi qu'avec autre chose. Voilà. Après, c'est comment le matériau est mis en œuvre, ça c'est un contrôle. Alors, du coup, je reprends parce que je ne vois que les dernières questions, donc c'est toujours pareil. Donc là, je vois qu'est-ce qu'un valoriste? Donc, un valoriste, c'est en fait une personne qui a suivi la formation TVRB, donc technicien valoriste du réemploi en bâtiment.
qui aujourd'hui est dispensée donc soit vers la Normandie par Noria et compagnie, soit depuis très récemment à Batipol, donc c'est à Limoux. Et le but de ces techniciens valoristes, c'est qu'ils savent en fait reconnaître le potentiel de réemploi, remettre en état si besoin, requalifier donc finalement le produit et fournir du coup les informations nécessaires pour que ensuite ils puissent être assurés ou du moins qu'ils puissent être reconnus par le bureau de contrôle. Donc c'est un peu une personne en fait de terrain. Qui pourrait travailler par exemple dans une matériothèque et qui en fait permet de s'assurer que tout a été bien mis en place pour qu'ensuite on puisse le préparer au réemploi et le réemployer. Et en fait jusqu'ici il y avait très peu, finalement il n'y avait que Nordia et compagnie qui pouvaient faire cette formation et à chaque fois c'est des promos de 10, voilà, donc en fait il n'y en a pas énormément encore qui sont sortis et c'est pas très connu, mais ça existe quand même depuis si je ne me trompe pas, je dirais même 2 ans cette formation. Mais voilà. Donc là, elle se développe et c'est une formation donc reconnue. Donc il y a un titre professionnel à la fin et ça dure 8 mois, il me semble. Des choses comme ça. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Noria et compagnie, vous aurez la TVRD qui est précisée. Alors, donc là, je reviens sur. Je ne sais plus quelle question. Pourquoi je ne vois plus. Les matériaux qui ne peuvent plus servir dans Ah leur oui. première utilité pourraient servir dans une autre fonction. C'est Audrey Dumur. Ah oui, tout à La voix fait. Sandrine, La ouais. porte coupe-feu utilisée en tant que simple porte. Oui, alors c'est juste que. Oui, alors tout à fait. Alors c'est là où on va faire une petite distinction. Alors, pour rappeler la définition législative, donc le réemploi, c'est le statut, on n'est pas dans le déchet, on est dans la ressource, mais par contre, on a un usage identique. La réutilisation, on est passé sur un statut de déchet, mais on a un usage détourné. Et en fait, la pratique fait qu'aujourd'hui, moi je préfère par exemple parler de réusage, parce qu'en fait, on n'a pas décidé de se défaire du matériau. Donc techniquement, ce n'est pas un déchet. Mais par contre, on détourne son usage. Donc, on n'est pas techniquement dans la définition exacte du réemploi française. Mais par contre, c'est tout à fait un réemploi pratique, on va dire, qu'on peut faire effectivement dans n'importe quel projet. Donc c'est pour ça qu'on va parler plutôt de réusage, donc un réusage identique qui correspond vraiment au réemploi tel qu'est défini dans la loi, et le réusage détourné. Et oui, donc tout à fait. Du coup, on peut considérer que c'est une façon de valoriser qui est meilleure du coup que la réutilisation. C'est juste que je ne parlerai pas de réemploi pour pas brouiller du coup les informations. Voilà. C'est, en fait, on a repris du coup en réusage. En fait, on revient à la définition européenne qui est reuse. Du coup, on s'embête pas. Voilà, avec les termes, avec les termes français. Et Sandrine, à ce niveau-là, on renvoie à ton premier webinaire qui était très clair. Voilà, c'est Hein, ça. voilà. Voilà, avec le petit schéma, voilà. Et donc, la mise en œuvre des professionnels implique souvent des malfaçons. Le réemploi risque d'amplifier les problèmes techniques. Alors, à mon sens, non. Puisque du moment qu'on a validé les performances, alors il faut savoir que, par exemple, si vous voulez réemployer, par exemple, une brique dans un mur porteur, va falloir s'armer de beaucoup de patience, puisque une fois que vous avez trouvé le gisement, il faut l'échantillonner, ensuite il faut aller le faire tester en laboratoire, et il faudra donc prouver que vous avez bien la portance qu'il faut, la rupture qu'il faut, la gélivité qu'il faut, enfin tout ce qu'il faut. Donc du moment en fait que vous avez fait tous les tests, c'est ça en fait qui décourage la plupart des concepteurs finalement et des maîtres d'ouvrage, c'est qu'on a beaucoup de choses à vérifier, mais une fois qu'elles sont vérifiées, peut-être parce que ça vaut le coup, parce que vous avez énormément de gisements à valoriser et que ce serait super intéressant, et bien en fait, une fois qu'il y a ça, il n'y a plus vraiment de risque, puisqu'en fait, on a annulé les risques. En fait, le but du réemploi, c'est bien de maîtriser les risques et de réinjecter finalement des produits qui soient sans risque par rapport à un produit neuf. Donc, il n'y a pas vraiment plus de malfaçon. Après, c'est évidemment, si on a une dépose qui est mal faite, ben, on ne va pas accepter le matériau à la fin. Voilà, il y a des tas de contrôles en fait, dans la chaîne qui font que du moment où on a déposé le matériau jusqu'à sa repose, il n'y a pas plus de raison que ça. Voilà. Et après, on peut faire des tests aussi de remise en œuvre.
si on a quelque chose d'un peu plus expérimental pour vérifier que ça rentre bien dans le résultat qu'on avait espéré. Et donc on vérifie aussi avec le bureau de contrôle. Voilà, ça. Alors, là, moi je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent. Je ne sais pas si toi tu en vois. Mais voilà. Charlotte, qu'est-ce qui permet d'assurer un valoriste de vendre ses matériaux de seconde main à des professionnels? Doivent-elles financer un diagnostiqueur qui assurait ses matériaux? Alors là, on revient. Alors il y a deux choses. Déjà, on revient sur le fait de qui aujourd'hui contrôle la bonne conformité. Et c'est là où finalement, aujourd'hui en France, on n'a pas de réponse unique à la question. Donc c'est un peu aussi les limites, c'est-à-dire que en fait, on va prendre la responsabilité au cas par cas sur chaque chantier de dire finalement qui prend la responsabilité. Donc bureau d'études, bureau de contrôle, entreprise, tout le monde à la fois. Voilà, ça dépend. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir un diagnostiqueur? Non. Après, il peut y avoir, par exemple, certains bureaux de contrôle qui ont des missions pour venir, par exemple, sur une matériothèque, mettre, on va dire, un avis positif sur les matériaux qu'ils auront contrôlés pour dire, OK, c'est bon, ce matériau est apte au réemploi. Donc, ça dépend vraiment. Et ensuite, il y a la question. Du valoriste qui vend les matériaux de seconde main. Donc c'est toujours pareil en fait. Il n'est pas forcément assuré de vendre le matériau. Enfin, c'est un peu. Comment dire? En fait, c'est rassurant d'avoir un valoriste, mais après, ça n'exonère pas finalement de ce que nous, on exige, c'est-à-dire l'affiche ressources qu'on veut. Et après voir si quand on l'a récupéré ce matériau, si on n'a pas d'autres tests à faire, etc. C'est pas le valoriste qui va aller tester en laboratoire tel gisement. Donc ça dépend vraiment du gisement. Il y a des gisements très simples, comme je disais tout à l'heure, les sanitaires, les cloisons modulaires, ce genre de choses, c'est très simple. Là, il n'y a pas vraiment de problème pour le vendeur, qu'il soit valoriste ou pas. Par contre, pour d'autres en fait, l'intérêt, en fait, ce serait qu'in fine, on ait beaucoup plus de personnes sur le terrain qui montent des entreprises ou des ressourceries ou n'importe quel type d'entreprise, en tout cas, mais qui soient capables de maîtriser une filière d'un matériau. Comme aujourd'hui, on a des gros exemples industriels comme Mobus avec les faux planchers. On a d'autres exemples, justement, sur les luminaires. On a d'autres exemples sur les sanitaires. On pourrait avoir ben, un peu partout, finalement, sur le territoire, des personnes qui maîtrisent certaines filières de matériaux et qui puissent, à la fin, du coup, ben, nous vendre des produits, alors qu'ils soient valoristes ou pas, mais en tout cas, c'est très bien si c'est des valoristes qui le font, mais avec, du coup, la maîtrise des tests qui doivent être faits au fur et à mesure. Parce que c'est là où, en fait, pour l'instant, on n'a pas. C'est à nous, finalement, d'aller chercher, de faire les tests, etc. Alors que si on avait déjà des personnes qui avaient garanti cette chaîne de préparation au réemploi, bah, on s'embêterait moins et donc les maîtres d'ouvrage seraient moins frileux aussi. Alors, a-t-on un ordre de grandeur, du coup, estimatif des tests? Alors. Déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les labos. Donc, de mémoire, un test de JVT, c'est 800 euros. Alors, c'est pas grand-chose. Le truc, c'est que c'est pas grand-chose. Mais par contre, il faut quand même prévoir donc une expertise pour l'échantillonnage, une expertise après pour envoyer donc ces échantillons au laboratoire qui doit être accrédité quand même COFRAC, etc. Et donc, ça dépend des territoires où on est, c'est-à-dire que dans certains territoires, il n'y a pas de labos qui sont très proches. Donc, en fait, il y a aussi la question du transport et donc du transport aller-retour. Et en soi, le test, il ne coûte pas très cher, en fait. C'est juste de mettre en place
tous ces éléments et toute cette logistique qui fait que ben, au niveau du planning, peut-être que ça va être plus compliqué. Au niveau du stockage, peut-être qu'on n'a pas de stockage en fait. Il y a beaucoup de questions logistiques finalement qui viennent entourer ce sujet. Et si on creuse vraiment le coût en labo, bon, sauf évidemment si on doit faire un ATEX, alors là c'est sûr, mais si on se contente de petits tests pour un gisement qui est par exemple de taille importante et qui serait intéressant sur notre chantier, voilà, c'est sûr que si vous avez 3 briques, vous n'allez pas faire. Ah, vous n'allez pas vous embêter à faire un test, mais ça dépend de l'économie du projet, ouais. Et qui finance tout ceci? Un chantier de réemploi avec les tests à faire. Alors, qui finance? Alors, dans l'idéal, évidemment, c'est le maître d'ouvrage qui finance. Après, il y a certaines maîtrises d'œuvre qui peuvent le faire aussi. Ça dépend, on peut demander nous-mêmes dans notre mission de faire certains tests. Ça dépend vraiment de quoi on parle. Toujours pareil. Un lien à communiquer pour obtenir plus d'informations sur la révision de la RPC. Alors, il y a eu en janvier un webinaire de Scope Avocat sur ce sujet. En fait, il y a eu plusieurs sujets, dont la RPC. Et effectivement, sur la RPC, dans son support, il y avait beaucoup plus de, justement, toutes les ramifications. Du coup, ça s'appelait Quoi de neuf en 2023, je crois. Je le mets dans le Ouais. chat, Sandrine. Quoi de neuf en 2023? Ouais. De Scov Avocat, mais alors je ne sais plus sur quel, si c'était sur matériel.com, enfin je ne sais plus la La plateforme référence. exacte sur laquelle c'est sorti, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, quels Je le mets dans le chat. exemples? Ouais, et après, bah, du coup, s'ils ont des informations, ils ne manqueront pas de ressortir si vous abonnez à la page LinkedIn de Scov ou à leur newsletter, ils ne manqueront pas de refaire des. Enfin, généralement, ils font des espèces d'infographies là, très complètes, donc ils ne manqueront pas de refaire une mise à jour. Hein. C'est juste que là, pour l'instant, on a des discussions. Voilà, je crois que là, il y avait quelque chose en mars et après, depuis, je ne sais pas. Merci Donc, Sandrine. si on n'a pas d'infos, c'est que ce n'est pas sorti. Ils ne Non. sont pas d'accord. Voilà. quels sont les exemples concrets de projets de construction réussis? Qui ont utilisé des matériaux réemployés. Donc là, c'est ce que je disais. En fait, il y en a énormément. Rien qu'en France, déjà, il y en a énormément. Où est-ce qu'on les voit? Ben, en fait, plutôt, on va dire sur les. Alors, je ne sais pas du coup de quel coin vous êtes, mais par exemple, il y a Ville et aménagement durable, donc c'est VAD à Lyon qui avait sorti l'an dernier, donc 37 retours d'expérience, donc il y avait 37 chantiers qui étaient mis en avant. Et des En vivas aussi, Ile-de-France, l'association. oui, Raid et Viva, voilà, effectivement, si on les suit, Baka, ils ils ont sont très bons. valorisé. Voilà des retours. Il y a des. En Ile-de-France, bah, il y en a pléthore, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça devient vraiment très commun, même, on va dire, des promoteurs. Voilà, il y a beaucoup, finalement, de grosses entreprises, de grosses machines qui mettent en place le réemploi. Donc, en fait, voilà, il y en a énormément. Il y a pas, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas que les projets emblématiques qu'on connaît tous, comme la Halle de Colombelles, la Ferme des Possibles. Il y a vraiment énormément de projets. Voilà, évidemment, en Occitanie, donc si vous allez sur Envirobat Occitanie, il y a la cartographie. Donc, sur la cartographie, il peut y avoir voilà, des informations sur les projets. Donc, là, la semaine dernière, il y avait la Poste à Toulouse. Ils ont fait une visite et il y avait des choses réemployées dedans. Donc oui, la maison des canaux emblématique, effectivement, la plus emblématique, je dirais même, jusqu'au boutisme au niveau du réemploi, donc magnifique démonstrateur. Et donc Rédif Carré, ça fait partie effectivement des plateformes privées, en fait, que j'avais pas citées, parce que du coup, sinon, si je commence à tous les citer, on s'en sort plus, mais effectivement, c'est que la Bacassia, Rédif Carré, ce sont des plateformes, ou Airplace. Ce sont des plateformes qui, du coup, ben, revendent
revendre des matériaux, enfin, c'est un peu du courtage. Et donc, forcément, c'est des projets aussi qui ont réussi. Il y a pas très longtemps, Montpellier, il y a eu des pierres aussi qui vont bientôt être réemployées. On a eu c'était toujours Montpellier, le parquet d'un gymnase qui a été, je crois que c'était un gymnase sportif. Donc, il y a eu 1200 mètres carrés, je crois, qui ont été valorisés. Voilà, il y a des exemples un peu partout, hein. C'est juste qu'effectivement, il n'y a pas forcément de communication délirante, sauf sur des projets emblématiques, quoi. Parce que ça se magnifie et donc on ne va pas forcément communiquer à chaque fois que un chantier a réutilisé du carrelage, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet, grâce à Sandrine Butron, on est en train d'organiser effectivement un webinaire à propos du retour d'expérience, justement autour du réemploi. Et Sandrine a été une source d'information et de réseau. Oui, ah oui, c'est Très, vrai, très, très c'est importante. Voilà. J'y parti. arrive à y aller. Oui, Sans toi, rien sur n'aurait un été acteur possible. public. Et c'est en cours, voilà. Et Sandrine avait effectivement Parfait. mentionné l'ensemble des projets en cours Ouais. intéressants à vous communiquer, bien De sûr, dans cet les automne. Parfait. Ouais, c'est total. Ouais, tout à fait. Alors, Ouais, Sandrine, je je vois qu'il n'y vois. a plus de questions. Est-ce qu'il y en aurait des dernières? Ou sur d'autres trucs du coup que j'ai pas abordé effectivement, style l'aéro ou autre. C'est vrai Ou que j'ai pas, moi je sais pas, hein, autre. voilà. Bon, ben parfait, si c'était clair, tant mieux. Ouais, c'était clair. Voilà. Bah ouais, c'était clair, merci. L'aéro 2020, oui, ben voilà. Alors juste oui pour info, donc l'aéro 2020. Qui est donc une évolution de la réglementation thermique. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de RT 2012 à RE, donc réglementation environnementale. Du coup, qui donc n'a pas été mise en place en 2020, effectivement en 2020, mais bien en 2022, vive les retards. Et donc, cette réglementation, dans son calcul, intègre aujourd'hui donc à la fois les composantes énergétiques, mais aussi des composantes issues de la, on va dire des impacts issus de la construction, donc du chantier et des composants du bâtiment. Donc actuellement, donc on prend les fiches, donc les FDES pour remplir donc l'indice des composants, qui ensuite avec les indices chantier forment l'indice IC construction. Et donc c'est intéressant dans le sens où pour le réemploi, donc tout ce qui est produit réemployé, on fait finalement les comptes zéro. Donc en fait, ils sont vraiment comptés comme nuls. Donc en fait, c'est comme si on ne mettait pas ces produits dans le projet. Et donc à la fin, forcément, le calcul, sachant que dans la RE2020, les seuils sont quand même assez restrictifs, enfin, du moins, ils vont être de plus en plus restrictifs, ben forcément, plus on a de réemploi, moins on a, entre guillemets, de produits qui apparaissent. Donc forcément, on a un calcul qui est meilleur. Et du coup, les seuils, en 2031, par exemple, on devra faire moins de 30% de ce qu'on fait par rapport à aujourd'hui. Donc ça fait quand même beaucoup en termes de kilogrammes équivalent carbone. Ouais, c'est quand même énorme. Et là, ce qu'il y avait donc des différences entre guillemets par rapport à 2022, c'est que juste progressivement, en fait, parce que là, la RT 2012 est toujours en vigueur, la RE 2020, aujourd'hui, elle s'applique sur les logements donc, collectifs et individuels, elle s'applique aux bureaux et aux établissements d'enseignement, mais elle ne s'appliquait pas à d'autres typologies. Donc, à partir de juillet 2023, ça va s'appliquer aux constructions temporaires. Et probablement donc en 2024, ça va s'appliquer aux autres éléments tertiaires type établissement de santé, ERP, gymnase, etc. Donc au fur et à mesure, comme ça, l'ARE va venir supplanter finalement la RT. Mais pour l'instant, effectivement, quand on fait des calculs sur une typologie, des fois en plus aujourd'hui c'est multiprogramme, donc sur le même programme, on peut avoir un calcul RT, un calcul RE. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant pour le réemploi. Ah, voilà. Et oui, au Québec, voilà, je serais intéressée parce que je suis la lettre Russie-Québec, mais j'avoue que j'en apprends pas énormément. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi dans les autres pays, effectivement. Je sais que l'économie circulaire, c'est un sujet récent aussi au Québec. Donc, voilà. Tu veux, Sandrine, je peux ouvrir le micro de Audrey? Ouais.
dis. Alors attends, il faut que je la retrouve par contre. Vrai, si vous êtes prête à vous exprimer. Vraie demeure, permettre de parler. Bienvenue au Québec. Audrey, en principe, votre micro est ouvert. Par contre, il faut que vous-même vous allumiez votre micro en bas à gauche de votre écran. Allô, bonjour, bonsoir. Merveilleux. Bonsoir, bonsoir Audrey, c'est super. Enchantée, oui, effectivement, ici, il y a quand même on s'en va quand même vers des changements. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comment dirais-je, les architectes, enfin, même le monde de la construction est un peu frileux. Vous mentionnez tout à l'heure par rapport aux risques, en fait, et puis qui prend la responsabilité, en fin de compte. Donc, c'est ça qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Mais en tout cas, le Québec est en passe de vouloir aller vers les objectifs, en tout cas, vers 2030, 2030 pour la décarbonation des bâtiments. Donc, voilà, on lâche rien. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a la... En France, en tout cas, on a effectivement le plan de décarbonation du bâtiment qui a été présenté il n'y a pas très longtemps au gouvernement. Et donc, dans ce plan qui a été fait aussi en concertation avec les acteurs du terrain, on a effectivement parmi les actions à revendiquer, effectivement, la massification du réemploi. Donc, on y croit. Voilà. Oui, c'est ça. Puis il y a diverses en fait concours qui sont faits actuellement. Il y en a un notamment auquel j'ai pu participer avec d'autres acteurs, des concours pour justement le réemploi des matériaux et puis tout ce qui est cycle de vie, etc. Puis comment on peut aujourd'hui réutiliser nos bâtiments? Parce qu'ici au Québec, il y a énormément de bâtiments qui sont avec de l'espace perdu en fin de compte, parce qu'il y a d'abord d'une part de très vieux bâtiments. Et avec l'effet de la COVID et des absences au bureau, beaucoup de personnes sont restées en télétravail et il y a énormément de bâtiments vides, en fin de compte, qu'il faut pouvoir réutiliser ou réattribuer des fonctions différentes. Donc, il y a vraiment une Oui, grosse. c'est d'autres champs de l'économie circulaire qui viennent se percuter avec le réemploi. C'est vrai que c'est beaucoup plus large comme question sur ben, les mètres carrés construits. A-t-on encore besoin de construire? Donc là, c'est un peu la casquette frugalité qui reprend, mais c'est le même délire. En fait, c'est comment on fait pour mutualiser les espaces, pour réattribuer des usages, pour éventuellement avoir une réversibilité ou en tout cas une modularité dans les usages. La question de l'usage est vraiment centrale, donc c'est vrai que on peut pas juste réemployer et continuer en fait à produire des ressources. On doit stabiliser nos ressources et les réemployer. Donc effectivement, l'existant et la vacance, c'est vraiment un sujet super important. Ouais. Oui, c'est ça. Puis comme en France, en fait, comme on a quasi les mêmes problématiques, là, on essaye aussi de. Parce que le Québec est légèrement en retard, on dira, sur la France, en tout cas, sur tout ça. Donc c'est vrai que quand on est français, qu'on est expat au Québec, on essaye de se tenir informé de ce qui se fait encore, enfin de ce qui se fait en France, puis comment ça avance et voir ce qu'on peut mettre en application ici aussi, quoi. Oui, ben nous, c'est pareil en fait en France avec le FCRBE, enfin avec les projets auxquels certains ont participé voilà, au niveau européen, avec la Belgique qui a déjà des filières qui sont mises en place parce que évidemment, ce n'est pas le même territoire, ben, ce n'est pas aussi étendu, c'est très concentré aussi sur Bruxelles en fait, sur la région bruxelloise. Donc il y a beaucoup de choses ou en Angleterre aussi, voilà, ou Pays-Bas, enfin, voilà. Il y a des pays évidemment qui ont expérimenté des choses et le but c'est qu'on essaie tous de mettre en commun ce qu'on a expérimenté pour arriver à aller plus vite, hein, c'est évidemment. Donc c'est super pour le Québec. C'est ça, bah, merci beaucoup. Bah, avec Merci grand à vous. plaisir et merci de nous avoir entendus. Merci, bonne soirée à Bonne vous. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sandrine, il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions. Je me dis que c'est fabuleux en fait de terminer sur le Québec, l'international, Bah oui, en tant c'est très bien. qu'altermondialiste. Et Non, ouvert sur le monde, je trouve ça merveilleux. non, c'est très bien. Bah, voilà, comme promis, c'était plus court. C'était quasi sûr. Oui. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolutions finalement qui sont vraiment directement, enfin, qui concernent vraiment le réemploi directement, quoi. Donc voilà, c'était une mise au point, comment dire, une photographie de l'instant T. Exactement, de manière à Une mise à permettre la jour. digestion par rapport à cette réglementation qui est en cours et qui se construit progressivement, bien Ouais. évidemment.
Et du coup, je Oh, suivais les travaux du CSTB. Et en fait, tout le monde, en fait, tous les, enfin, même les personnes, par exemple, les bureaux d'études, etc., en fait, tout le monde peut participer aussi à donner ses retours d'expérience, etc., donc, ou à relire des guides, etc. Donc, ils ont fait un gros appel là-dessus. Donc, voilà. merci de cette information-là. Je pense que vous l'avez entendu. Sandrine, je vais te remercier, bien évidemment. Et je vous rappelle à toutes et à tous que Sandrine intervient gracieusement, bien évidemment, de manière à participer à votre montée en compétences. Je te remercie ouais, pour cette intervention de la même qualité que la précédente. Et avec Bon, ça va alors. bien sûr. Ah oui, En ça tout va. cas, peut-on retrouver Merveilleux. l'enregistrement de ce webinaire? Toi, tu vas pouvoir le dire, du coup, parce que là, il y a une question sur l'enregistrement du webinaire. Et effectivement, c'est Hello Formation, du coup, qui diffuse ces webinaires. C'est ça. Avec un peu de retard, parce que je dois bien avouer qu'en fait, Internet marche de moins en moins bien. Et là, je suis encore sur le fait de placer l'intervention de Maître Sagne sur YouTube. Oui. Et j'en suis à mon quatrième envoi et ça coupe. Donc, à mon avis, Sandrine, je pense que oui, ce sera diffusé mi-juillet, pas avant. Ah oui, moi je m'inquiète pas, hein, c'est Non, je sais pas. Mais c'est pas que je voyais pas. Un grand ça merci. Tu vois, marche. tout le monde d'ailleurs te remercie. C'est fabuleux, Ouais. impeccable. Et puis bah, je renvoie tout le monde évidemment à la SCOP dans Ouais. laquelle tu travailles et puis au réseau évidemment Frugalité, Heureuse et Créativité. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, non, avec grand Merci. plaisir même. Merci et bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous tous, au revoir. Merci Sandrine, merci. Alors, mince, qu'est-ce que j'ai fini? Je sais, j'ai écouté de toute façon. Ah oui, voilà, c'est ça, Voilà, parce que sinon, sans inquiétude. je vais y arriver. À plus tard, Sandrine, je te recontacte À demain. plus tard. Au revoir. Au revoir.